Et salut tout le monde, aujourd'hui je reprends sur Pokémon X. Je vais recommencer puisque la dernière fois je me suis lamentablement poutrée, hein. Je me suis trompée de trucs ici, donc j'ai re-randomisé le jeu. Et cette fois d'ailleurs j'ai réussi à faire pour que les Pokémon de départ, ceux qui sont affichés, correspondent à ceux que je vais réellement recevoir. Donc ça c'est déjà top. Et comme d'habitude, il n'y a pas le son parce que ça varie entre 0 et 25, parfois 29 FPS. Ça augmente rarement plus, à part au début, évidemment, hein, quand on lance le jeu. Coucou Mikashi, ça va? Et j'ai pas mis le jeu, enfin j'ai pas mis le son du jeu parce que sinon ça va être un truc vraiment abominable. Ça va, on voit bien. Je vérifie quand même la caméra parce que moi je vous explique, c'est que j'ai qu'un écran donc pas facile. Ça va moi. J'espère cette fois-ci que le let's play ira mieux, hein, que je vais pas me refaire manger. Alors, mon Néphilim. Et cette fois, au moins, il n'y a plus les types qui sont aléatoires. Ce qui reste aléatoire, enfin, il y avait les stats aussi qui étaient aléatoires. Ce qui est aléatoire maintenant, c'est les attaques et les talents, mais pas les types. Ça, Et évidemment, les Pokémon rencontrés. Ça change pas si je fais ça. Non, c'est bon. On ne sait jamais avec eux. Maintenant, j'en ai même plus. Là, pour l'instant, le jeu, ça va. Il tourne à 26 FPS. 27. Mais ça ne montera pas au truc que ça devrait être. Faut quand même une sacrée bête hein, pour faire tourner ça. Et pourtant, j'ai pas un PC caca quoi. Donc là, je vais chercher mon premier Pokémon. Enfin, d'abord me faire aggro. Oh. Quand j'entends le PC tourner, je me demande comment on peut encore m'entendre avec le bruit que ça fait. Enfin, j'ai pas la place pour un micro, bon. Et le micro que j'ai, il est pas top. Ah, j'ai retrouvé les meilleurs rivales au monde. Ah oui, du coup, pour l'histoire du random, aussi, j'ai dû remettre en random la version Ultra Lune. Parce que du coup, comme j'avais fait une technique pour l'un, j'ai pas vérifié sur l'autre. J'ai pas changé, enfin, j'avais pas fait autrement sur l'autre. Du coup, j'ai dû tout re-randomiser parce que j'avais compris qu'il y avait une option que je n'avais pas valide, enfin que je n'avais pas vue. Allez, j'espère un bon Pokémon pour commencer. La randomisation, c'est pas le plus compliqué parce qu'il suffit juste de cocher les cases et tout ça. Avec le programme, clairement, si je voulais, je pourrais refaire un jeu beaucoup plus compliqué. Ah, ceux-là. Bon, comme la dernière fois, je m'étais fait appeler petite merde, que ça n'a pas.
que ça n'a rien donné. Je crois que je vais changer de surnom donc et que je vais me donner un autre. Allez, un surnom un peu rigolo. Bon, au pire, je vais m'appeler Chocapic, hein, comme ça, s'il y a un souci. Chocapic, c'est comme ça? Ou c'est... C'est plutôt comme ça. Voilà, Chocapic. Allez. Comme ça, s'il y a un souci, et paf. Allez, on va découvrir les starters. Intéressant le choix. Bruikouille déjà, je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Je crois que je vais partir sur Tarsal. Hein. Non mais regardez-moi cette tête en mode... Prends-moi! Allez. Comment ça avec un Pokémon de type psyfée? C'est pas mal. J'espère juste qu'il a au moins une attaque pour attaquer, quoi. Ouais. Un surnom pour Tarsal. Oh, c'est une fille. Donc ce sera forcément un Gardevoir. Comment je peux l'appeler? Tarsal. Tarsal, c'est quand même un Pokémon fort apprécié. Enfin, un Gardevoir. Allez, je vais appeler Waifu, non? Non, c'est un peu trop classique ça. Comment je peux l'appeler? Ah oh, ouais, regarde-moi, c'est pas mal. Je vais peut-être mettre les minuscules quand même. Voilà, comme ça. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Ouais, regarde-moi, regarde-moi. Allez, regarde-moi. Il n'y avait pas Fennec. Bon. Ils sont un peu cons, ils connaissent pas les noms de leurs Pokémon. Hein. Faut pas chercher. Allez, Pokédex. Chocapic. Bah ouais, c'est ça, bah c'est vraiment ça ce Pokémon, c'est en mode, hé, hey, regarde-moi! Par contre, je sais qu'il y a aussi des filles qui sont assez Lucario en mode, ah, c'est le Pokémon. Enfin, tu vois, qui sont un peu. Des Pokémon un peu sexualisés au final, mais il a un pic. Ça doit faire mal. Il y avait d'ailleurs une image avec ça où on voyait la dresseuse qui voulait faire un câlin à son Lucario et qui en fait, bah, elle se faisait transpercer littéralement, quoi. Allez, premier adversaire, ce truc-là. Ah oui, j'ai pas regardé si mon Pokémon avait un objet. Sana, mon Dieu. Un Ponchio. Ok. Ça va.
Alors, déjà, qu'est-ce qu'il a comme attaque? Flamèche! C'est gentil. Il a un objet. Le Nautil. Parfait, j'aurai un ammonita au moment de. Enfin. Quand on est dans le fameux centre, là, je pourrais prendre un ammonita. Bon, ben, j'annonce. Allez, on va reset du coup. Bon, ben voilà, j'ai déjà perdu le Nuzlocke. Oh, bah, ben, je vais prendre un autre Pokémon, hein, parce que bon. Aussi. C'est ça le souci en fait, c'est que là en plus je vais devoir prendre un autre Pokémon parce que le souci, c'est qu'elle, elle va toujours commencer avec Ponchio et moi le Tarsal. Et je ne peux pas aller chercher de potions. Parce que c'est défini en fait au moment de charger la ROM. Du coup, voilà. Maintenant, je sais qu'il y a des. Allez. Il y a des Nuzlocke qui sont beaucoup plus aléatoires. C'est. Mais c'est un jeu qui est fait alors sur. Je pourrais le faire aussi, ça. C'est Pokémon Emerald Plus. Normalement, je l'ai encore. Bah, ça, je pourrais le faire. C'est un jeu où tout est vraiment aléatoire à 100%. Donc, impossible vraiment de tomber sur la même run, quoi. Même dans une run, si on perd par exemple contre un dresseur, quand on va le recombattre, il a encore des autres Pokémon. Du coup, je prends quoi, Bruikui ou Charpentis? En vrai, je crois que Bruikui, c'est le mieux. Enfin, ça dépend de ce qu'ils ont, en fait. C'est plus que Bruikui, il aura plus de chances d'avoir des attaques stabées que. Ben moi aussi, je déteste les deux, mais je vais pas venir randomiser tout de suite et je vais pas passer directement au Nuzlocke suivant, quoi. Je crois que je vais quand même prendre Grouikoui. Le souci, c'est que je peux pas prendre Tarsal parce que ça va être impossible. Ben ouais, ils sont ignobles, mais bon, voilà, quoi. Cochenou. Ouais, ben voilà, je l'appellerai Cochenou. Ou non, si c'est une fille, je l'appelle Truffa. Si c'est un mec, je l'appelle Cochenou. Sinon, si c'est une fille, je l'appelle Truffa. Voilà. Bon, il y a plus de chances que ce soit un garçon qu'une fille. Donc, il y a plus de chances que ce soit ton nom qui tombe que le mien. Puisque pour les starters, c'est une chance sur 4 qu'il soit femelle. Non, sur 8 plutôt. Ouais, une chance sur 8 ou sur 4, je sais plus. Je sais plus. Enfin, c'est un truc dans le genre, quoi. Donc, Bonnie, au secours. Hihi, mon Dieu. Je la vois comme ça. Hihi.
là là. Oh oui, on va recevoir des Pokémon, trop génial! Tant que tu me ressors plus un Ponchio. Mais c'est tellement ça qu'elle est chiante! Et le truc, c'est qu'elle n'aura pas. Donc, elle n'aura pas le même starter, puisque bah, je vais prendre un autre. Je vais prendre donc petit Gruikui là, Cochenou ou Truffa, on sait pas encore. Hihi! Mon Dieu! Déjà lui il fait peur. Regardez-moi ses yeux. Les yeux, mais. Voilà. J'essaye de l'imiter, mais je crois que. Voilà. Donc, j'avais mis quoi moi comme surnom pour moi? Ah oui, Chocapic. Je vais remettre Chocapic, hein. Comme ça, s'il y a un souci. J'ai pas envie de m'appeler maître parce que je sais que de toute façon je vais me ramasser quelque part. Donc je préfère mettre un truc débile comme Chocapic. Bah oui. Puis c'est là que je prends le Grimmie, que elle tombe sur un Pokémon qui a Giclédo. Allez. Du coup, on va prendre Gruikui, hein. Le Pokémon de type plante, Gruikui. Ils connaissent pas très bien leur type, hein. Il est content. Alors, pour le surnom. Oui. Alors. Ah, c'est une fille. Du coup, je l'ai appelé Truffa. Oui. Sauf que c'est pas un grenousse que tu vas avoir. Ou alors, il y a très peu de chance. Ouais, le Pokédex. Allez, maintenant, Sana va me tuer avec coup. Bon, à un moment, il y avait un mec qui avait fait un jeu comme ça que j'avais pris avant que je ne sache randomiser. Le mec, il mettait la ROM parfaite pour les Nuzlocke random. La championne d'arène, enfin la première championne d'arène des Pokémon niveau 100. Elle en avait 6 et c'était que des légendaires. Et nous, on se retrouvait avec au starter un Aspicor, un Chenipan ou je sais plus quoi. Et avec de la merde. Allez, premier combat. Chocapic, attends! Allez, ouais, c'est ça. Bon. Je crois pas que ce soit un grenousse. Si c'est un grenousse, franchement, l'aléatoire. Il y a une chance sur 600 et des.
Bon, au moins j'ai pic-pic et nœud d'herbe. Non, 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 il y a une chance, il y a une chance. Il y a une grande chance parce que là, franchement. Tant qu'elle n'a pas. Bon, faut vraiment qu'elle. Il y a possibilité de réussir quand même, celui-là. Il y a possibilité de réussir, mais si elle fait pas la moite à chaque fois. Il avait quoi comme objet? J'ai oublié de vérifier. Si ça se fait, j'avais un objet comme. Il avait l'objet que je pouvais gagner, putain. Parce que l'objet qu'il a, c'est pour le soigner, justement. Donc j'aurais dû prendre l'objet avant. Je m'en fous, je vais retenter avec ce Pokémon. Je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder avant le choix du Pokémon. Comme ça, bah, s'il y a un souci, je ne dois pas me retaper toute l'intro. Mais normalement, c'est faisable avec Bruikui. Mais ouais, il faudra que je fasse absolument ça, sauvegarder avant le choix du Pokémon. Comme ça, je. Allez. Je ne le change pas. Enfin, je ne le change pas. Comme ça, je dois pas me retaper toute l'intro, quoi. C'est long. Clairement, c'est long. Là, ça fait la troisième fois que je fais l'intro sur le live, quoi. Enfin, je suis qu'au début. Purée. C'est quoi ce manque de bol, sérieusement? Et je peux même pas aller acheter de potions avant le combat, quoi. C'est infernal. En plus, un Lanturne, quoi. Ça, c'est un gros monstre en défense. Enfin, en défense. Et en plus, la mointe, l'attaque signature de Keldeo. Au moins la dernière fois j'étais arrivée à l'arène quoi. Là, enfin, pardon, je me suis fait démonter à l'arène. Pas pareil.
Je pourrais faire aussi un random sur Pokémon Ruby Omega ou Saphir Alpha, je sais plus lequel des deux j'ai, je crois que c'est Ruby. Mais il y a un petit souci avec cette version-là. C'est que. Allez. C'est qu'il y a des trucs qu'il faut absolument avoir, style un Pokémon haut et tout ça, qui peut apprendre quand même quatre capacités qui sont obligatoires. Enfin, je crois quatre. Il y a surf, cascade. Ah ouais, non, surf et cascade, c'est tout. C'est un peu beaucoup, quoi. Bon, je vais me rappeler Chocapic, hein, et on réessaye avec Cochonou ou Truffaz, suivant le nom. Enfin, suivant si c'est une fille ou un garçon. Et cette fois, je reprends l'objet avant le combat parce que. Ah oui, c'est vrai que dans les objets, enfin dans les. C'est randomisé aussi les fossiles. Donc un fossile pourrait donner par exemple un. Je sais pas moi. Au lieu d'être un Ptera, ça va être un Arco ou quelque chose comme ça, ou un Mewtwo. Ça serait stylé un Mewtwo. Alors, Cochonou ou. Ah, cette fois c'est Cochonou. Allez, est-ce que Cochonou sera meilleur que Truffaz? Oups, Cochou. Je me suis trompée. Voilà, Cochonou. Et il reste plus qu'à essayer de battre cette de Serena. Sauf que c'est un Lanturne que tu vas avoir. C'est meilleur quand même. Bon, sauf que Lanturne, la fois d'après, elle peut avoir un Pashmina à la place. C'est pas mieux. Oui, mission de la plus haute importance, tout ça, tout ça. Lettre du professeur pour sa maman, ouais. Allez, c'est ça, partez, partez. Là, le jeu, il rame du cul. Il a 17 FPS. Alors que bon, bah. De base, il tourne à 30. Alors, Pokémon. Poudre soin. Donc ça, je crois que ça ré fait récupérer 50 PV. Je vais quand même tenter d'aller voir si je peux pas acheter des potions, en fait. Mais what? Il me semblait que c'était bloqué. Ou alors j'ai pas d'argent?
D'où je tiens que il n'y a pas de. Oh, c'est pas grave. Allez. Je vais en prendre 5. Hein. Bon, bah, du coup, bonne nouvelle, je peux acheter des potions. Est-ce que je peux partir par là? Ah ouais, non. Non, quand même pas. Sinon, j'aurais été chercher direct un Pokémon de zone. Ouais, donc en fait, je peux quand même soigner mes Pokémon. Donc c'est top. Donc là, je vais l'avoir, ce. Bon, cette fois, ça devrait le faire, du coup. Ben ouais, j'aurais pu garder, regarde-moi, ben si ça va pas, voilà quoi. Mais même, regarde-moi, le souci en fait, c'est que j'aurais même pas pu en fait. Parce que le truc, c'est que je n'aurais quand même pas eu assez de potions, t'as vu les dégâts qu'il prenait en une attaque. Donc en fait, je pouvais même pas attaquer en fait, c'était ça le souci avec regarde-moi. C'est que. Ouais non, j'aurais même pas pu. C'était infaisable parce que je me prenais des dégâts monstres, tout ça parce que bah il est très faible à cette attaque-là. Mais Cochenou ici, je sais qu'il tanque quand même assez bien. Si ça va pas ici, je change de Pokémon. Hein. Je prends l'autre dégueulasse. Que bon. Ça va 5 minutes, hein, mais après. Oh ouais, mais non, mais c'est impossible. La moite, c'est combien ça? C'est. Je crois qu'il a trop en plus en. Oh la moite, c'est combien de pépé ça? Un peu une autre attaque. J'ai dit la moite, pas la pinte. Oh. Ah ouais, mais non, 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 non. Il fait 11 dégâts exactement, donc si je me refais attaquer, c'est zéro. La mouette. Combien de pépé? 10. J'ai pas assez de potions. Faudrait qu'elle change un peu d'attaque là. Mais de toute façon, j'ai pas assez de potions, c'est 10 pp. Faudrait qu'elle rate une fois son attaque. Ouais, c'est ça le souci, je peux rien faire. Je peux littéralement rien faire. Il aurait fallu en fait que je prenne les 10 potions directement et pas que 5 en fait. Et encore si le jeu n'a pas mis en PP à 16, quoi. Ah mince, c'est les problèmes de statut. Ouais, bah non, j'ai perdu là. Je peux peut-être tenter un pic-pic au lieu d'un nœud d'herbe. Bon, on est d'accord que je remets au choix du Pokémon, hein.
que je vais faire, c'est que je vais donc prendre l'autre là, pas trop le choix. C'est ça, en fait, le souci, c'est que les Pokémon font beaucoup trop de dégâts, ou alors il faut que je pépé-stole et que je prenne les 10 potions, quoi. Mais le souci, c'est que. Ah, quoi. Bon, ben, on va se retaper encore pour la xième fois le dialogue débile. Oh. Ça m'emmerde aussi parce que j'aimerais bien quand même le réussir, quoi. Réussir à passer le début, mais comme le jeu, bah, il s'est randomisé, c'est du 100% random, je sais pas ce qu'ils ont. Je sais pas du tout ce qu'ils ont. Et le souci, c'est que bah, si je me ramasse des Pokémon bien, mais que eux, bah, ils ont trop fort pour moi, bah, ça va pas le faire, quoi. Allez, Xème édition. Et je vais même pas dire que je vais vite faire re-randomiser le jeu, parce que le souci, c'est que le random, comme ça, ça prend quand même un petit peu de temps à faire, quoi. Faut le temps que les fichiers se défassent. Que je puisse mettre dans l'application de randomisation, que je remette tout ensemble. Bon, ben. Il reste plus qu'un choix, Charpentier. Le Pokémon de type feu Charpentier. Alors, Charpentier, comment est-ce qu'on l'appelle? Je coupe du bois, non? Ou je casse du bois. Casse-bois. Casse-bois. C'est pas un casse-noix, c'est du casse-bois. Oh, trop tard. J'ai vu trop tard le message. Casse-pipe, ça aurait été drôle. Ah, je peux changer. Voilà, j'ai appelé Casse-pipe. C'est un peu comme ce live au final, hein. Je vais plutôt faire comme ça. C'est un peu comme ce live au final, c'est un peu Casse-pipe. En fait, je crois que le jeu, il veut pas que je fasse un Nuzlocke challenge sur le jeu. Oui. Ouais, aussi. Aussi. Allez, oui, c'est bien. Et toi? Je crois qu'on va passer plus de temps à faire ça qu'à faire vraiment le jeu. Insane. Ouais, vous avez des trucs cool à faire. Allez, c'est bien. Dégagez. Merci. Oui, donne-moi la lettre. C'est bien. Donc au moins, cette fois, elle n'aura pas de lanterne, elle n'aura pas de poncho.
Mouchoir soie? Ça augmente les attaques de type normal, ça. Note s'il a une attaque normale. Vive attaque, vampirisme et éclair. Il a tension. Je vais lui redonner le mouchoir soie. Même si c'est pas exceptionnel, mais avec vive attaque. Bon. En soi, il a l'air un peu plus potable, celui-là. Maintenant, je vais quand même chercher des potions, quoi. Et je vais pas en prendre 10 parce que bon, il me faudra de l'argent pour les Pokéballs après. Si je veux pouvoir capturer des Pokémon de zone, quoi. Donc je vais en prendre 5, mais pas plus. Bon. Allez, c'est parti. Et le monsieur là qui se met comme ça. Allez, prions. Puis c'est là qu'elle me sort un ho-oh ou un Kyogre. Ou un Pokémon méga évolué, tranquille, au calme. Parce que les dresseurs peuvent avoir des Pokémon méga évolués comme ça. Ouais, elle veut se battre, c'est bien, allez. Fampi! Ah, c'est faisable. Je crois qu'il est quand même de type sol, hein, si je me trompe pas. Faut quand même que je vérifie. Il me semble qu'il est type sol. Fampi! Ouais, type sol. C'est bien ce qui me semblait, donc. Déjà, l'attaque éclair, ça va pas fort aller. Vive attaque. Vampirisme, allez, comme ça je peux récupérer des PV, sauf si. Côte aux gardes, ok, il monte sa défense. Bon, en soi, avec vive attaque, je vais pouvoir un peu faire chier, mais s'il a des attaques derrière, qui sont mieux. Allez-y. Je vais littéralement lui faire deux dégâts à chaque fois. Évidemment, il faut qu'il ait une attaque qui soit forte contre moi, hein. Et Vengeuleuse, ça, je pourrais pas soigner indéfiniment. Je crois que ça a 20 pp, si pas 40 même. À mon avis, ce live, il ira dans les fails. Alors, PP, il y en a 15. Allez, il y a une petite chance que je m'en sorte cette fois. J'aurais peut-être pu faire vampirisme. Allez, là, il y a une petite chance que je puisse y arriver. Ce que je vais faire, à mon avis, c'est que je vais faire des vampirismes. Comme ça, bah, même si je récupère un PV, c'est un PV de récupérer, quoi. Et ça me fait des trucs en moins à utiliser. Des potions, voilà. Parce que je sais qu'il me fait 8 dégâts. Ouais, mais même.
8. Allez, récupère-en 2. Récupère juste 2 PV. Juste 2. Cinq potions, ça fait qu'il va avoir fait 5 voix enjôleuses. En principe. Faudrait qu'il fasse un petit cotogarde en fait, et là je suis bon. J'aurais dû faire ça dès le début, en fait ça aurait été mieux. C'est dommage que je ne tape pas avant. Oh! Parfait. Donc là, je vais avoir bah, 2 PV de plus. Donc je vais pouvoir tanker une vengeuse de plus. Sauf s'il fait un crit. Mais bon. J'ai récupéré 2 PV, c'est pas mal. Allez, fais-moi un bon gros crit. Bon, un gros, même un crit, ça ne change rien, hein, mais bon. Allez, il me reste 2 potions, c'est faisable, c'est faisable. S'il me refait des attaques comme... Allez, c'est comment? Bah, comme il avait fait les deux autres, là, c'est bon. Mais là... Aïe, aïe, aïe. Allez, tu veux pas récupérer 2 PV? 2, juste 2. Que je puisse tanker un plus, non? Non, à mon avis, ça fera faire encore un, ça. Ouais. C'est quoi cette malchance, sérieux? Oh. Ça serait bien qu'il rate son attaque comme ça, en mode allez, je la rate. Non, tu veux pas? Là, de toute façon, je crois que je n'ai plus de potions, donc hasta la vista. Tu veux pas récupérer deux? Est-ce que j'ai encore des potions? Allez, on ne vit qu'une fois. Oh, j'ai cru qu'il allait rater. Bon, ben, qu'est-ce que je fais du coup? Qu'est-ce que je fais? Je retente avec lui ou j'arrête les frais, je refais un enfin je re-randomise. Ouais, déjà je reset. Enfin, je crois qu'il y a moyen avec lui du coup. Faut juste que je spamme les vampirismes jusqu'à ce qu'il n'ait plus l'attaque plus les potions, ça devrait le faire avec lui. Ah, reset la rome, tu veux dire que je recommence Mais le souci, le truc en fait, c'est que... Donc, je recommence en random, quoi, c'est ça tu veux dire?
Si j'arrête, en fait, je peux, ce que je peux faire, c'est arrêter. J'arrête le live maintenant. Et au pire, je vais refaire un random. Enfin, je vais refaire un random encore une fois, puisque là, bah, c'est clairement impossible. Et bah, je peux essayer de live ce soir, du coup. Ça me paraît pas mal. Donc déjà, ce que je vais faire. Hop. Ah oui, non. Je vais remettre à zéro. Comme ça, bah, j'aurai une sauvegarde. Du coup, bah, je vais aller re-randomiser tout ça, hein.